Tu cherches des crédits fut, alors je te conseille d'aller sur IG Vote. Tous les liens et réductions sont dans la description. T'en as marre de te faire laver par des boîtes 3 en fut de champion? Il est nul! Il est nul! Alors check Level Up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien les gars. Et aujourd'hui, une petite vidéo gameplay avec le Jelson Martin sans SBC. Beaucoup de questions le concernant. Hein. C'était comme Karim Benzema flashback, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il est bon? Et bien du coup, on va y répondre dans cette vidéo. Et autour de lui, on a fait une équipe vraiment sympathique avec des joueurs qu'on a déjà testés. Et des petits nouveaux, voilà, on retrouve notamment le Chong hein, qui est apparemment super fort. On retrouve également le Wijnaldum qui a up du coup. Bien entendu, Renato, on l'oublie pas, hein, 700 000 crédits pour le joueur. Et voilà, ça pique maintenant. De toute façon, je vais vous dire ce que ça a donné. Atal qu'on a paqué. Le petit Suarez sur le côté. Une équipe, voilà, comme d'hab, assez sympathique, compétitive et fun. En tout cas, les gars, je vais vous laisser avec le gameplay. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai du coup mon avis sur le joueur et si ça vaut le coup ou pas. Oh non! Oh le gardien, le super-héros! Bon, moi, comme d'hab, c'est dégueu. Hein. C'est souvent ça. T'as plein d'occasions qui sont propres, qui rentrent pas, et derrière, tu mets un but tout pourri. C'est encore trop moche, je suis mort, mais c'est quoi ce jeu? Ça doit rentrer. Bon, ben 3-1, on en aura chié 84 minutes contre un adversaire inexistant. Quel dommage. On avait bien joué avec Jelson. Hein. Il est vraiment rapide. Tu vois qu'il est fort en dribble de ouf. Mais la passe, tu vois, j'ai pas géré. J'aurais pu faire mieux largement. Bien vu. Putain, elle y va. Pour une fois, on a la barre qui rentre plutôt qu'il sort. Il
Ah oui, bien sûr. Ah bah ouais, c'est vert. Hein. Franchement, là, c'est les serveurs sont fluides hein, sur ce match. Hein. Alors, je sais pas où il habite, lui, mais c'est ce que je disais à un moment dans le match, c'était archi fluide. Oh les gars, celui-là, eh, le délire. Oh là 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 là, la percussion de Gelson, ça allait tellement vite. Et derrière, Kylian qui finit avec style. Waouh. Oh, ah oh. Ah, il a bien joué. Bah, tu vois, là, il mériterait de marquer, le mec. Hein. Il a trop bien joué. Là, la vie de ma mère qui m'a tué. Hein. Yes! Magnifique! Putain, le but! Oh, l'action! Du début à la fin, elle est magnifique, les gars. Let's go, putain. Ah, il quitte direct. Bah ouais, il quitte là-dessus parce que, ouais, franchement. Ça se trouve, il est déjà calife ou je sais pas. Ah, dommage, dommage, frappe de loin éclatée. Hein. Je vous le dis, j'en ai tenté, c'est une des meilleures que j'ai faites. Hein. Mais par contre, en percussion, waouh, c'est un délire, il est vraiment chaud. Bon, bah écoutez, voilà, terminado. On a donné les wins à la fin. Bon, bah les gars, fin de cette vidéo. Et bah écoutez, il est monstrueux, il est monstrueux. Maintenant, si tu dribbles pas, ça sert à rien de le faire. Voilà, si tu dribbles, par contre, que t'es chaud du stick droit, tu vas te régaler. En termes d'agilité, et de dribble, je l'ai trouvé, je pense, au-dessus d'Mbappé. Vraiment, je vous le dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Si t'es chaud en geste technique, tu vas vraiment te régaler. De toute façon, tu as pu le voir dans la vidéo, j'ai beaucoup tenté. On a même troll limite, hein, d'où le peu de buts. Voilà, j'aurais pu marquer beaucoup plus de buts, mais j'ai troll, quoi. J'ai troll. À noter que j'avais déjà un peu joué avec avant et j'avais vu qu'il était juste magique. Sinon, à part ça, les points faibles, je dirais peut-être les tirs de loin. J'en ai tenté, c'était pas foufou. Maintenant, je pense qu'il y a moyen d'en caler quand même. Le placement offensif, c'est très bon. En passe, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Le mauvais pied, si c'est éclaté. Ouais, du coup, en défaut, mauvais pied, tir de loin, je dirais. Et en vrai, c'est tout. Parce que même, il est endurant. 98 d'endurance, les gars, en fin de match, il est monstrueux. Il a quand même une assez bonne finition. Devant la cage, je l'ai trouvé correct. Non, franchement, c'est propre. Vraiment, je vous le conseille en tout cas. Concernant le reste, Chong, c'est vraiment sympa aussi. Il est vraiment fort. Je pense que lui, en fait, c'est le contraire de Gelson. Si tu dribbles pas trop, bah, tu vas kiffer Chong. Vraiment, il est vraiment très complet. Suarez, c'est pas si mal pour une carte gratuite. Après, Wijnaldum, je l'ai pas trouvé si transcendant. Il est bon, mais sans plus. Renato, bon, bah, c'est un monstre. Hein, fallait s'y attendre. Hein. 700 000 crédits pour un monstre pareil, c'est exceptionnel. On a mis un but de fou en plus. Une reprise de volée sur le corner, là, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Atal, bon, mais c'est pas mal, hein, c'est même très bien. De toute façon, on l'a paqué, donc on va jouer avec. Et puis voilà, bref, les gars, je vais vous laisser en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Bah écoutez, un petit like, ça fait plaisir, voilà. Et si t'as des questions à me poser dans les commentaires, je tenterai d'y répondre. Et puis voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à vous, et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.